maintenant et toujours. Dans les cieux, des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons-toi monter qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais le nouvel illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Psaume 118, strophe 16. Gloire au Père, au Fils.
74. Psaume 75.
Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël, le Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles, Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe, la prière de carême de saint Éphrem. Cet effort de carême vise à nous libérer de certaines maladies spirituelles fondamentales qui imprègnent notre vie et nous mettent pratiquement dans l'impossibilité de commencer même à nous tourner vers Dieu. La couronne est le fruit de toutes les vertus, de toute croissance et de tout effort, est la charité. Cet amour qui ne peut être donné que par Dieu. Ce don qui est le but de tout effort spirituel, de toute préparation et de toute assaise. Tout ceci se trouve résumé et rassemblé dans la demande qui conclut la prière de carême et dans laquelle nous demandons de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Car finalement, il n'y a qu'un seul danger, celui de l'orgueil. L'orgueil est la source du mal, et tout mal est orgueil. Pourtant, il ne me suffit pas de voir mes propres fautes, car même cette apparente vertu peut tourner en orgueil. Les écrits spirituels sont remplis d'avertissements contre les formes subtiles d'une pseudo-piété qui, en réalité, sous couvert d'humilité et d'auto-accusation, peut conduire à un orgueil vraiment diabolique. Mais quand nous voyons nos fautes et ne jugeons pas nos frères, quand, en d'autres termes, chasteté, humilité, patience et amour ne sont plus qu'une seule chose en nous, alors et alors seulement, le dernier ennemi, l'orgueil, est détruit en nous. Thank you.
Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple. Du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le prophète Michée, frères et sœurs, est un audacieux. Nous sommes probablement au retour de l'exil à Babylone. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la situation d'Israël n'est guère reluisante, et les déportés de retour à Jérusalem semblent éprouver un certain désenchantement. Elle semble bien loin, en effet, la vision grandiose du temple d'Ézéchiel et cette ville qu'il leur avait promise, où le Seigneur serait là. Certes, dès leur retour, ils se sont attelés à rebâtir le temple, mais jamais peut-être ne leur est davantage apparu la pauvreté de leurs moyens et leur isolement parmi les nations. Oui, ils sont bien ce troupeau isolé dans le maquis, entouré de vergers. Alors Michée décide d'employer les grands moyens, en invoquant le Seigneur pour rappeler Israël à son bon souvenir. Il est comme ce veilleur, déterminé à n'accorder de repos ni à lui-même, ni à Dieu, jusqu'à ce que celui-ci daigne se manifester. Car il n'a pas oublié ce que Dieu a révélé de lui-même à Moïse. Le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni. Et ce que Moïse avait alors répondu à Dieu, « Si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardonne nos fautes et nos péchés, et fais de nous ton héritage. » Que fait-il alors, Michée ? Il reprend exactement les termes de ce dialogue dans son invocation. Tout y est, la grâce et la fidélité du Seigneur et ses entrailles de miséricorde qui lui font enlever la faute, la révolte, le péché de son peuple et le choisir comme son héritage au lieu de persister dans sa colère.
avec juste un tout petit quelque chose en plus, de nouveau. Manière de dire à Dieu, toi qui te présentes comme le Dieu fidèle, ce que tu as promis à Abraham, à Jacob, à Moïse, ce que tu as accompli en leur faveur, à nouveau, tu dois l'accomplir pour nous. Autrement, ce serait te renier toi-même. À nouveau, tu nous prendras en grâce en pardonnant tous nos péchés. Dès maintenant et à jamais, ton amour jaloux, Seigneur Sabaoth, fera cela. Une telle espérance, frères et sœurs, ne pouvait être déçue. Tant que duraient les jours d'autrefois, le prophète ne pouvait voir la miséricorde de Dieu que de dos et comme en passant. Et déjà, elle remplissait son cœur et sa prière. Mais en ces temps qui sont les derniers, voici qu'elle a planté sa tente parmi nous et que, se retournant, elle nous a montré son visage, celui du Fils bien-aimé. Alors, si notre situation ressemble un peu à celle de Michée et de son peuple, si, attendant notre cité à nous, la Jérusalem que nous désirons, qui se trouve dans les cieux, nous nous sentons parfois menacés, exilés, isolés, souffrant peut-être de l'incompréhension du monde et plus sûrement encore des fautes, transgressions et péchés qui habitent le fond de notre cœur, crions donc vers le Seigneur, invoquant sa miséricorde, avec d'autant plus d'audace que c'est le Christ lui-même qui a porté sur la croix notre supplication. Hâte-toi, Saint, sauve ton troupeau. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. En cette année jubilaire de la miséricorde, Seigneur, nous te prions que la douceur et le regard bienveillant de Marie, Mère de miséricorde, accompagne tout homme et plus particulièrement ceux qui souffrent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à dire chaque jour avec le psalmiste, voici je viens pour faire ta volonté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Grégoire de Narek que nous fêtons en ce jour, Seigneur, nous te prions pour le peuple arménien et le peuple turc, qu'ils trouvent un chemin de réconciliation dans la vérité et le pardon. Seigneur, entends notre prière. Oh, dear.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu. Tu prends soin de ton peuple et tu le sauves en ton Fils Jésus. Nous te magnifions. Avinu sheba shamayim, inkadesh shimcha, tavo malchutecha, yaseh. Ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses.